15 centimètres, 5 mètres, le 15... Je passe par où? J'ai peur! J'ai peur! Oh putain! Recule, recule, recule! Oh la compote de pommes! Non mais what? Non mais... Donc là, on va se la reprendre toutes les 4 matins là, là Anna? Ou comment ça se passe? Parce que là, on n'a pas fini hein. Non mais là c'est hyper stressant. Donc là, tout à l'heure, elle a spawn ici. Donc ça veut dire que c'est ici la sortie? J'imagine. Oh là là. Et n'oublions pas qu'il y a Riette, hein. Ah bah tiens, bah prenons-la depuis le... Ah bah oui, bah il y a Riette qui traîne, hein. Riette, fais pas la conne. Je vais me la prendre pleine gueule. Ok, faut aller à la clé Ouroboros. Oh, j'espère que je vais pas canner là, parce que quand même, faudra pas déconner. Riette, fais pas la conne, hein. Et l'autre non plus. Oh, j'espère que l'autre, elle est pas là. Parce qu'on n'a pas fini si elle, elle est là à chaque fois, hein. Sans déconner. J'ai pas signé pour ça, moi. Ça va pas mal se passer tous les 4 matins, hein. Moi, je te le dis tout de suite, hein. Je vous préviens, j'ai une bougie, j'hésiterai pas à vous cramer. Je vous le dis juste dans le doute. D'accord? Ça peut très bien se passer entre nous tous. Mais juste, ne faites pas la conne. Ok? Pas de dinguerie de votre part. Ça marche? Pas de dinguerie, j'ai dit. Ça pue, hein. Oh, je vous le dis, ça pue. Je sens ce... Oh, la clé Ouroboros, c'est ça, non? Oh, dites-moi que c'est ça, les copains. Oh, non, je crois que c'est pas ça. Oh, merde. C'est pas la... Ouroboros, c'est quoi le logo? Je me souviens plus. Oh, non, mince, c'est pas la bonne porte. Ah mais là, je vais me la prendre de plein fouet. Je vais me prendre la famille pirate. Ok, si Anna réapparaît, elle peut brouiller avec la barrière de sel de Riri. Ok. C'est un serpent qui se mord la queue. Ok. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment pour ton deuxième mois d'abonnement. Comment tu vas? Faites pas la conne, Anna. What the fuck was that? Oh putain! Mais pourquoi c'est toujours quand je leur parle qu'elle se manifeste, celle-là, là? Et après, on s'étonne que je sois tendue. Je suis tendue.
Bon bah je... j'y retourne. Oh là là. Sainte mère. Ah c'est bon, je suis avec Riette là. Bon bah j'y retourne hein. Merci beaucoup Stitch pour ton abonnement. Oh là là, oh là là. Et ça c'est quelle salle? Non mais sans déconner, y a pas à gueuler comme ça. Hein. Y a pas à gueuler comme ça, c'est terrifiant au bout d'un moment. Y a pas à faire des dingueries pareilles là. Timbré, va. Oh. Sainte mère la bestiole, là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est un phare, le truc? Mais elle s'est crue dans le port d'Alexandrie ou qu'est-ce qu'elle me fait, celle-là? Je peux pas me croucher? Oh, putain. Les sirènes du port. Mais elle va me péter la gueule, là. Casse-toi! Barre-toi, je te dis! Tu me fais pas peur! T'es moche! Ah, oh, puis t'es bien dégueulasse, hein! Allez! Oh putain, c'est pas par là! Arrête, ne me touche pas! Oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'elle me fait, l'autre, elle? Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oh, je vais plus avoir de bougies. Je vous le... Oh là là. Oh là là. Mais que... Non, je ne te vois pas. Je ne te regarde pas. Démon. Vil démon. Oh putain. Fais pas la conne, hein. J'ai nettoyé Martine pendant une heure et demie. Je pourrais te nettoyer, toi, en deux secondes, hein, je te le dis. Tu vas pas m'emmerder pendant 106 ans quand même, hein. Allez hop, ramasse ça. Ramasse ça vite. Je panique. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais là? Elle me crame? Merci beaucoup bro pour les 2700 bits. Merci infiniment. Ah! Je me retourne pas, je la vois pas. Sainte mère la bestiole là. Je sais pas où elle est. On va faire comme ça, ça sera très bien. Non mais il y a un truc en face. Mais c'est pas Ouroboros. Oh purée de patate. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Merci beaucoup Brao pour les 2700 bits. Merci encore infiniment. Allez ouvre-moi ça là, fais-toi plaisir. Fous un coup de clé là-dedans. Bonsoir, c'est pour les calendriers. Oh bah tiens, je ferme. On n'est pas à l'abri. Oh la va... Oh là là. Oh ça sent mauvais ça quand même. Hein. Si je puis me permettre. Peut-être qu'avec ma loupiote je peux voir quelque chose écrit sur les murs. Oh. Merci encore Bravo. Bon bah on sait qu'on peut aller là en cas d'attaque. Oh j'ai peur qu'elle me fonce dessus les amis. Vous n'imaginez pas comme j'ai peur. Je suis tendue comme une arbalète. Sans déconner. Je suis tendue. Parce que je me dis qu'à tout moment, elle peut me chasser la gueule. Elle est à gauche là normalement, non? Mais de toute façon, tu peux pas la rater. Elle est au plafond, la bestiole. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Oh, le Ouroboros! Ouvre ça! Ouvre-le! Alright, this is the door. Here we go. Très bien. Ça me paraît bien calme cet endroit.
Ah, on l'avait vu cette... Oh putain, ça s'est éteint. Oh non, ça s'est éteint, Sainte Mère. Enquêtez-le. Y'a quelqu'un? Faites pas le con, j'ai peur. Merci, Fruit de la Passion. Arrêtez. Merci beaucoup, Fruit de la Passion, pour ton réabonnement. Salut Kiki, cela faisait longtemps que je ne suis pas passée faire un coucou. Je vais essayer de passer plus souvent. Encore merci de redonner le sourire. Mais de rien, j'essaye de vous donner le sourire. Merci beaucoup, des gros bisous, Fruit de la Passion. Des gros bisous. Lettre de Jacob. Depuis l'arrivée de Kayward, des choses étranges se produisent dans le manoir. Ces fichus corbeaux me laissent pas tranquille. Je les chasse, je les tue, ils continuent à apparaître. Ça fait 46 ans que j'habite dans cette ville et j'en ai jamais vu un. J'ai remarqué que la dame me regarde avec haine quand je les tue. Le temps passe et chaque fois elle est plus étrange. La nuit, je peux plus dormir. Si ça continue, je quitterai ce foutu travail. Me touchez pas. Je vous jure, s'il y a quelqu'un qui est là, ne me touchez pas. Non mais là, on va... je vais crever. Donc là, c'est Jacob. Jacob ? Jacob ? Jacob, arrêtez, s'il vous plaît. Oh, Jacob, arrêtez ! Are you okay, Jacob? Lettre de Jacob, si quelqu'un lit cette lettre, brûlez cette sorcière, j'ai essayé de m'échapper, mais elle m'a attrapé. Je me retrouve enfermé, gravement blessé, je sais. Je peux pas sortir de cette situation. Quelque chose se passe, j'ai vu son visage avec un sourire de vengeance. Je suis bien sûr de quelque chose. C'est du mal pur! Par contre, les bruits de fond, j'en peux plus, là. Ça semble être une peinture murale. Bah oui, bah... liée aux quatre éléments. Triangle, 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 triangle. Pas dans la merde. Jacob, arrêtez! Mais il bouge vers moi, ce con! Oh putain, non, moi je me sens pas bien. Ça y est, je vais faire un malaise. Les éléments. C'est une énigme. Ça dit, la bête sans bouche qui dévore tout. L'humanité l'adore. L'adore, quoi? L'adore contrôlée. Déjà, si nous le traduisons en français, on y arriverait. Mais incontrôlée, elle crainte. Elle est crainte. Sans aucune jambe, se bouge sur la pauvre terre, détruisant tout à son passage. On est foutu. Attendez. Il faut trouver, du coup, dans l'ordre, j'imagine. La bête sans bouche qui dévore tout. L'humanité adore contrôler. L'humanité adore de contrôler. C'est quoi, triangle du haut, du coup? Ouais, j'entends des trucs sales aussi. Moi, non, moi je me retourne pas, c'est mort. Il y a des trucs sales. Oui, mais non, mais 100%. C'est quoi, du coup? Mais incontrôlée, elle est crainte. Bah, le feu, si c'est pas contrôlé, c'est craint. Sans aucune jambe, se bouge sur la pauvre terre. Détruisant tout sur son passage. Alors, faut qu'on fasse dans... Non? Ah, le feu? Mais moi je me retourne pas, de la merde. Le feu, c'est lequel, ce triangle du haut? Let's go les amis, bien joué. Merci Hunter, merci beaucoup pour ton abonnement. Let's go les gars. Un parchemin ancien écrit avec du sang. Ok. Oh, la clé! Oh non! No. Oh. Where is it? Fuck! I have to get out of here. Faites pas le con! Ah oh, putain, non, c'est un truc où faut... Arrêtez, arrêtez! Oh non, c'est un truc, faut pas le perdre de vue. Faut pas le perdre de vue. Sinon, il me coupe là, il me coupe en deux. Fuck! I have to get out of here.
Arrête! Mais c'est horrible! Merci beaucoup, bro, pour les 2100 bits. Bon, là, j'arrête. Bon courage. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci infiniment. Fuck! Get out of here! Je te vois, me touche pas, j'appelle la police! Me touche pas, hein. Tu vas faire quoi? Je te jure, j'appelle la police! J'ai réussi! Mais y'a l'autre qui va m'attendre au plafond là. Y'a l'autre folasse maintenant. Sorry for that. We were adjusting communications and lost you for a while. Our scientists tell me that they found a strong beacon. L'autre folasse, elle est toujours là. Enquêter sur la pièce avec du sang et des bougies rouges. Vers le cadre. Donc là, moi je pensais réellement qu'il y avait. Alors là, je pensais vraiment qu'on pouvait faire comme tout à l'heure et discuter. Faut croire que là c'est pas possible. Elle est plus là? Attendez, elle était au plafond tout à l'heure. À moins que c'est plus la même pièce. Mais quoi? On peut enlever le mode lent, les amis, au cas où, si jamais dans le chat. Enfin, je sais pas s'il y a encore, mais. C'est horrible, moi il me faudra un GPS dans ce genre de baraque. Hein. Il me faudra un GPS, il n'y a pas d'autre mot. Oh là là! Ferme dans le doute mon gars. Ferme. Est-ce que c'est une salle safe ici? Quand je vois la tête du truc, je me dis que c'est tellement pas safe. C'est tout sauf safe en fait là-dedans, on est d'accord? Y a pas une bougie? Y a un masque. Un masque taché de sang. Moi je prends, hein. Ouais, ça c'est la mission secondaire, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Y a des patates, vous voulez des patates les amis? Franchement, je vais mettre une grosse patate à Anna, hein. Y a pas le choix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'y vais. Faites pas la conne, hein. Faites surtout pas la conne, je le saurai. Le côté gauche, je l'ai fait tout à l'heure, on est d'accord? Cet endroit-ci, je l'ai fait. Le papier peint vert, vous m'avez dit. C'est vert, ça, non? Du coup, c'est ici? Merci beaucoup pour le sub, Quentin. Merci infiniment. Oh lolo le bordel. Oh mais elle a pris sandwich. Oh j'ai bien fait d'avoir du sel hein. Oh la prise en sandwich. Oh. Oh lolo. Stop. Oh le bordel. Oh le bordel, j'ai cru que c'était fini pour moi.
Oh bah là j'ai cru que c'était cuit. Sans déconner. Je me suis vu en club sandwich pendant quelques minutes. Il est là le logo. Ah j'ai bien fait d'y aller. C'est bon. Oh quelle angoisse ce jeu. Y'a quelqu'un? C'est quoi cette merde? Parce que je sens que je vais avoir Martine et ses amis dans le... Là c'est fermé à clé, c'est super. Donc papier peint vert, il faudrait noter en fait. Il faudrait que quelqu'un note ce qu'il y a, là où il y a le papier peint vert. Le train TER. Ah oui, 7, 2, 8, c'est vrai. Attendez, vraiment ça fait le train SNCF? Attendez. Ah mais grave! Le train TER en direction de Toulouse-Matabio débarquera voie 4. Le train intercité numéro 3323 va entrer en gare voie A. Ah j'avoue! C'est tellement ça les gars! J'ai peur. Oh là! Oh mais tiens! 1, 2, 3, 4. Oh mais je sais plus où c'était. Attendez, je sais plus où c'était. 1, 2. C'est ça? Pas du tout. Oh putain, je suis pas douée, hein. Je vais prendre en photo. Je suis trop nulle. Attendez, je prends en photo. Pouais, 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 pouais. Voie 4, le train arrive en gare. Veuillez reculer de la bordure du quai. On l'a tous entendu ce son. Pouet, 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 pouet. Alors attendez, je regarde la photo. Ouais, c'est peut-être la bonne touche, mais pas le bon ordre, effectivement. Alors attends. Du coup, ça ferait. Oh là là, les pianistes! Je bosse à la SNCF, bonjour, attention. Ah ouais, c'est pas la bonne truc. Ah, attendez. Ça ferait. Oh là là, j'ai pas l'oreille musicale, moi, ça s'entend. Hein. Let's go! Vive la SNCF! Mozart en sueur. I wonder how many people have been killed with this dagger. Eh! Par contre, là, j'ai peur parce que. Tu veux que je bute qui avec ça? Parce que je peux bien t'ouvrir une porte, là, un petit truc, mais. Vous ne pouvez pas garder. Enquêter sur la pièce avec du sang et des bougies rouges. Mais c'est quoi ça? Enquêter sur la pièce avec du sang et des bougies rouges? La pièce avec du sang et des bougies... Ah bah là! Genre ça, c'est pas... C'est gros, Laura! Bah oui, il y a un symbole sur le coffre-fort, mais je peux pas... Ah, putain. Si, je peux peut-être y accéder, en fait. Trouver des indices pour voir le portail. Attendez. Effectivement, on a quelque chose.
Bien joué, les amis. C'est à vous, c'est maintenant. Donnez-moi le code. I need the code. Bien évidemment. Bravo, les amis. C'est un vieux coffre-fort. Pour l'ouvrir, il est nécessaire de tourner le bouton vers la gauche ou la droite selon la combinaison. C'est à vous, les amis, c'est maintenant. Il faut me donner le sens. Gauche, droite. Parce que c'est 7, 2, 8, mais il y avait un truc gauche, droite, machin. Ah. 7 gauche, 2 droite, 8 gauche. Alors attends. 7 gauche. 2 droite. Vous êtes trop fort. Bravo. Vous êtes trop fort, les amis. Une petite clé. Une bébé clé. Il y a un logo dessus. D'accord. Avec un papier quand même. Je veux lire le papier. Buenos Aires en Argentine en 1928. Cher ami, nous avons partagé nos connaissances et nos secrets tout au long de notre vie, mais malheureusement, la mienne touche à sa fin. Ma maladie a empiré et je ne peux plus continuer. Je pouvais toujours compter sur toi et maintenant, plus que jamais, j'ai besoin de toi. Les gens de notre ordre savent que j'ai le dernier exemplaire du livre. Mais j'ai jamais fait confiance à aucun d'entre eux, seulement à toi. Pendant tout ce temps, tu m'as montré un intérêt sain pour l'occulte. C'est pourquoi j'ai décidé de tout vous envoyer. Avec ça, vous aurez les outils pour atteindre notre objectif et découvrir les secrets que nous recherchons aussi tant. Vous devez garder le livre protégé. Utilisez le sort des portails. J'ai créé une fausse copie pour perdre la trace. Je vais la laisser à la Bibliothèque nationale. Avec le temps, ce ne sera qu'un mythe. Merci pour tout, mon ami et allié. Nous rencontrerons dans une autre dimension. Oh là là! Ah, ça ouvre le tiroir, c'est pas bête! Oh, bien joué! J'y pensais plus à ce tiroir. C'est bien là, on a des petits trucs et tout. Sur le sang du sacrifice, le symbole Barkun, je sais pas si ça se prononce comme ça, Barkun, Barkun, sera dessiné à l'aide du poignard sous la lumière sanglante. Poignard, parchemin, sel pour protection. Eh ben on a tout! On a tout! On a du sel, on a le parchemin avec le sang et on a le poignard. Alors là, on a tout! On a tout, les amis! Alors par contre, faut mettre ça où? Ah, j'arrive plus à le retourner. Sur la plaque de bois? Effectuer le rituel. Là? Nothing's happened. Il ne se passe rien. This doesn't seem to be the right answer. Comment ça, ça ne semble pas être la bonne façon? Bah après, fais des efforts, mon gars. Oh putain! Il manque quelque chose. Bah attends, moi je te dépose tout. Un petit peu de sel de Guérande, un peu de... Oh là là. Ça sent bloqué. Poignard pressé. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Oh la vache, la perte de temps. Ouais, en fait, je suis obligée de bouger la souris dans tous les sens pour aller plus vite. Non mais what? Oui, on... c'est vrai que je bouge la souris dans tous les sens, j'avais pas le choix. Mais oui, par contre, il lui a fait un gros doigt d'honneur. Anna, fuck off! Ah, j'aurais fait la même. J'aurais fait la même.
Oh. Je retourne dans mon truc connecté. Well done. You're in a deeper plane now. This means that things are gonna get, how to say, surreal. Everything indicates that it's going to be a dark part of the story. Oh non, une partie sombre de l'histoire, soyez très prudent. Unreal. Il manquait plus que ça. Putain. Oh non. Ugh, what a smell. There's crows hanging on the ceiling. I wonder if these are the crows that Mr. Jacob was referring to. It's closed. Where the hell could they keep me in this twisted nightmare? The door's locked. Ça sent la douille, non? C'est quoi ce petit... Ah, c'est ma loupiote, là? Ah oui, je l'ai plus. Oh, on va lire, hein. Journal d'Henriette. Le livre des morts. L'année suivant la mort d'Hector, nous avons commencé les préparatifs du rituel avec Anna. Nous renvoyons les autres domestiques pour ne pas éveiller les soupçons et avoir tout à disposition. Dans une pièce, nous commençons les étapes du rituel. Nous ouvririons un portail vers l'au-delà et Anna m'assisterait tandis que je consacrerais toutes mes connaissances et mon énergie à la dimension inconnue. Le livre des morts en main, j'ai commencé le rituel. Tout s'est mal passé. Une force très puissante a éclaté du portail en emportant Anna. Luttant de toute mon énergie, j'ai essayé de le fermer, mais le démon n'a pas voulu repartir les mains vides et a déchiré Anna. Je pouvais voir comment ses griffes déchirent la peau de ma pauvre bien-aimée, la dépeçant vivante. Après un combat acharné, j'ai pu fermer le portail, mais rien ne sera plus pareil. À ce jour, je ne peux pas comprendre comment cela s'est produit. Qu'ai-je fait de mal? Bah un peu de tout, hein. Un peu de tout, franchement. Hein. Là, il y a quelque chose là-haut, là, qui brille. Attends. On peut pas prendre la main? J'avais pas vu les Korbach morts, là. Donc là, il faut que je trouve un moyen de passer, c'est ça? Ok. On va trouver, hein. Déjà, moi, je pense que c'est là. Parce que là, il y a un truc chelou. Vous en pensez quoi? Sortez l'insecticide. Bah en fait ça je peux pas... Bah j'aurais pensé justement récupérer la main et la jeter. La jeter là-dessus là. Et foutre le feu au-dessus. Alors attends. Il y a peut-être une briquette... pour garder contre les murs aussi hein. Il y a peut-être une brique un peu plus renfoncée, un truc tout bête et... Tiens, et hop là, Sherlock Holmes. Et voilà, je vous l'ai dit. Oh, c'est quoi? Appelez-moi Sherlock. Oh, c'est dégueulasse. Oh. Je me gratte le nez avant qu'il y ait une dinguerie. Bon, on a bien avancé. Oh là là. Échappé. Mais échappé de rien du tout, on va se faire tuer. Ça sent la douillasse, putain. Mais putain, mais c'est qui?
Mais what? Attendez, attendez. Il est horrible, Mia. Je crois qu'il aime pas les enfants, bah dis donc. Ah, effectivement. Oh putain! Ah non, je l'avais là, me touche pas. Hein. Oh là là, les emmerdes. Henriette! Par contre, attendez, c'est normal que Henriette elle soit dans la. Dans ma réalité? Parce que là, il y a un problème, hein. Il y a un souci dans la matrice avec Henriette, hein. Henriette, elle est pas censée être là, hein. Oh là là. Oh, comment ça pue. Enquêter sur les égouts, j'ai que ça à foutre, tiens. Non mais. This is crazy. Damn madness. Oh. C'est quoi, des bébés? Là, il y a un problème, hein. Là, je peux pas courir si jamais. C'est quoi cette merde? On est d'accord, il va y avoir Henriette dans le game. On est d'accord? Oh là là. Les gars, j'ai peur. J'ai peur de ce qu'on pourrait trouver. Ouais, Georgie t'attends. C'est ça? On flotte tous en bas. Ouais, bah Henriette, elle a l'air de bien flotter. J'ai peur de me faire choper. C'est ça en fait, quand t'as des Oh! C'est quoi cette merde? Oh, je peux pas le péter. J'entends un bruit. Les gars, je suis pas bien. Je trouve que les bruits que j'entends, ils sont pas normaux. C'est pas normal ce qui se passe en fait. Hein. A mechanism system with an incomplete symbol. Ah bah voilà. J'ai fait avec deux trucs fléchés en fait. Oh là là, c'est quoi ça? C'est vrai, Mighty, ouais. J'ose pas les voir. Un torse humain? Et je dois le suivre? Il faut que je le suive ou pas? Je sais pas si je dois le suivre. Oh là là. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Je répète, c'est quoi cette merde? Oh non. On va avoir un problème, je le sens là. Ok, bon bah c'est bon, allez, on va commencer. Ok. En fait, dans ma tête, il allait de l'autre côté. Mais c'est horrible. Attendez. C'est parti. Il va très vite en plus, hein.
Là, je fais comme ça. Viens, vous voyez, tu t'arrêtes là. Juste avant la ligne droite, là, tu t'arrêtes. Donc là, ce que je fais, je vais passer à droite comme à gauche. Faut aller à droite, attendre qu'il passe à gauche et le suivre, je pense. Ok. Ça marche. Ah, c'est pas facile, hein. Cette séquence, elle est pas évidente, je trouve. Ok, je vois. Là, j'y vais. Là, je fonce à droite. Et j'attends à droite, on m'avait dit. Le gars, il est pas loin de moi, je l'entends. Et là, je vais où? Il a pas l'air d'aller au fond, de toute façon. Je me dirais, il a pas l'air d'aller au fond. Oh, ça pue cette histoire, j'ai peur. Non mais ça, elle a l'air d'être horrible cette séquence. Il manque quelque chose pour l'activer, le système de levier, il semble manquer un levier. Il fout de ma gueule le jeu. On va passer comme ça, on va voir. Là, il y a un levier fermé. Ah, un levier. Une grille fermée. Ah, c'est ça. Bravo. Bien, ouais, je. C'est bon, on l'a bien joué. Et du coup, il était plus loin. Par contre, le trouver un itinéraire pour s'échapper, j'aime pas trop ça. S'est échappé le monstre ou pas? Bonne nuit à ceux qui vont dodo, reposez-vous bien. Allez, mets ça. On met le levier. En avant, Martin. On y va. Oh là. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris à ma vie, les amis. Oh là là, oh là là. Oh, la trappe con. 100% Yariette. 100% Yariette. Merci, les amis. Journal de Riette. Séduction maléfique. Ah. Riette est sur Tinder maintenant. Le mal est une chose Oh la vache. Le mal est une chose étrange. Cela commence par une séduction qui vous mène à l'extase. Au fil du temps, on se rend compte que cela change. Et la trame n'est pas forcément folle. Cette entité maléfique n'a pas seulement consommé ma bien-aimée. Mon énergie a également été épuisée. En me regardant dans le miroir, j'observais, terrifiée, à quel point cela m'avait affectée physiquement. Ah, ça y est,
Riette comprend qu'il y a un problème dans la matrice là, et qu'elle a changé physiquement et qu'elle fait peur aux gens. Une étrange vieille femme se reflétait dans mes traits, et quelque chose en moi sombre et maléfique commença à s'engendrer. Trois nuits après ma pire tragédie, Anna est apparue dans un rêve. Ses mots, même dans les rêves, je serai avec toi. Ouais. On a passé les 50% du jeu. Bah voilà, c'est rassurant. Par contre, ça pue. Hein. La Riette... J'aurais peut-être dû lui jeter la cagette à la gueule, non ? Oh non. On est foutu ? Ah si, c'est bon. On est mort. Ah là. Ouais. J'en suis à 4. C'est bon. On l'a, les gars. Faut le cramer, là. Oh ! Du coup, j'ai réussi ou pas ? Henriette ! Riette, c'est toi ? Merde. On a réussi. Ah mince. Non, mais là, c'est chaud. C'est chaud, sans déconner. Quelle angoisse! Oh la chou dans l'eau? Can you hear me? A lot of information has surfaced. Something terrifying happened in its history. Bah tiens, quelque chose de terrifiant s'est produit. All this belongs to the dark side of Kedward. Something representative of the events that previously occurred. Our scientists have informed us of satanic rituals and very strong energies. Try to find an exit as soon as possible. Essaye de trouver une sorte de quoi? Oh bah tiens. Ah bah là, sans déconner. On va pas se mentir, mais trouver un moyen de s'échapper. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Ça pue la douille, hein. Ça pue la grosse douillasse. Comment ça pue ? Ça va être un Dead by Daylight. Eh, faites pas le con, hein, parce que je vous jure, je vais vous retourner, hein. Vous et toute votre famille, hein. L'arbre généalogique, il va cramer sur des décennies. Je préfère juste vous le dire, au cas où vous soyez prêts mentalement. Il va y avoir une grosse dinguerie. C'est quoi cette merde? Huh. Seems to be some kind of spill. Shit, that hurt. Fuck. Now what?
Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ah bah hé. Welcome to the Death Stranding. Rillette, 100%. La rillette. On voit plus rien. Ah! Ah, du coup, faut avoir le timing parfait. C'est quoi le timing parfait là? Attendez. Non, moi je suis vos pas. Hein. C'est quand même très bizarre les traces de pas qui s'arrêtent là. Trouver un moyen de s'échapper. Prends pour une conne le jeu là ou comment ça se passe? Oh là là. Il m'a fait peur celui-là. Alors celui-là il m'a fait peur par contre. Il m'a surpris. Je vais où là comme ça? Ah là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il manque des pièces, et bah c'est nickel, et bah comme ça au moins. Oh putain! J'ai eu peur. Oh le casque, je l'ai fait sauter en deux-deux. Oh! Oh la vache! Le poignard consacré en main a combattu le mal, la viande pourrie sera vaincue au toucher du poignard. Donc il me faut le poignard. Il n'y a pas de secret. Quick. Donc là c'est quoi les éléments qui manquent? C'est un triangle seulement? Oh là là, ça pue. Oh bah, je comprends pas, c'est quoi le timing parfait du coup? C'est quoi le timing parfait? C'est beaucoup trop calme. C'est quoi du coup? Attendez, c'est quoi le timing? Il y avait une porte plus tôt. C'est vrai qu'il y avait une porte plus tôt avec le... Ah non, quoique c'était la même, non? Pas par là la porte je crois. Ah, sur le triangle. Je crois que c'était pas par là. Hein. Ok, je dois superposer les triangles. Ok. Ah non, mais c'est, franchement, le jeu, il est hyper oppressant, je trouve. C'est... Le jeu est hyper oppressant. Là. On va ouvrir. Allez, hop, coup de couteau dedans. Allez, Bob l'éponge. This place represents the knowledge of Kedward.
Oui, le savoir, mais bon. Qui dit pas qu'il y a Henriette qui rôde? Soyez très prudent, et voilà. Les livres ne mordent pas. Bah oui, mais les livres ne mordent pas, d'accord. Mais Henriette. Mais Henriette, elle pique. Tiens.